Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre fin la semaine prochaine. Après avoir éliminé le PSG en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, 3-1 au Santiago Bernabéu, le Real Madrid devrait profiter de la situation fragile du club de la capitale en interne pour boucler son arrivée de Mbappé au prochain mercato. La signature de l'attaquant français Kylian Mbappé avant la saison prochaine se rapproche. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, Mbappé pourrait débarquer au Real Madrid très prochainement lors du prochain mercato estival 2022. Et le quotidien espagnol affirme que l'intention du Real Madrid est de trouver un accord avec le champion du monde 2018, Kylian Mbappé, avant vendredi prochain. Les négociations entre les deux parties, le PSG et le Real Madrid, se seraient intensifiées ces derniers jours, ce qui permettrait à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, d'atteindre son objectif principal pour le prochain mercato estival très rapidement, c'est-à-dire boucler le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. De plus, la publication madrilène ajoute quelques chiffres concernant son contrat Mbappé au Real Madrid. On parle d'une prime à la signature entre 60 et 80 millions d'euros et un salaire annuel estimé à 25 millions d'euros pour le Bondinois. Soucieux du temps à des formalités, le Real Madrid ne devrait pas officialiser son arrivée qu'à la fin de la saison cet été donc. Néanmoins, selon les informations de Foot Mercato, Kylian Mbappé n'a encore rien de signé avec le club merengue. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut.